Bonjour, M. Trudeau. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de l'Université d'Ottawa d'empêcher les caméras de filmer un discours hier à la demande de l'ambassadeur chinois? Ils sont pliés à ces demandes. D'abord, je ne connais pas tous les détails de l'incident. Mais pour moi, ils ont fait une erreur à bannir les caméras au Canada. On ouvre surtout à des gens qui ont un profil public. Les médias doivent avoir accès. Alberta, sir, Premier Smith is introducing the Sovereignty Act this afternoon. We're wondering what are your thoughts about the Premier's move. Please, could you expand on that? I'm just going to stay focused on the things that matter to Albertans, whether it's affordability, whether it's creating jobs, whether it's working constructively to fight climate change and grow a better future. That's what Albertans are focused on. That's what I'm going to stay focused on. Merci. Good afternoon. Bonjour. On a compris. Allô, Louis, comment ça va? Très bien. Est-ce que vous avez plus à nous en dire sur les enquêtes de la GRC sur l'ingérence chinoise? Est-ce qu'on a plus de détails? Bien, mon collègue peut peut-être répondre à ça. Nous, comme gouvernement, évidemment, on laisse la question des enquêtes policières aux polices. Nous n'allons pas commenter sur les détails d'enquête policière. Nous allons répéter qu'est-ce que nous avons dit depuis déjà très longtemps, qu'il y a un comité d'experts présidé par la greffière du conseil privé que nous avons mis sur pied en 2019 et nous avons renouvelé le processus en 2021 pour s'assurer que, en effet, les élections au Canada sont libres et ouvertes et sont libres d'ingérence étrangère qui rejoint un niveau où ces experts-là dans les services de renseignement croient qu'il faut avertir le public. Et comme on sait très bien, ils ont confirmé qu'en 2019 et 2021, les élections étaient libres et démocratiques. Est-ce que vous niez que des candidats ont été financés par l'État chinois? Est-ce que vous le niez, ça? Écoutez, moi, je n'ai pas de renseignements précis sur le financement de tous les candidats. Qu'est-ce que nous avons dit, c'est que les services de renseignement sont évidemment préoccupés par toutes ces allégations-là. Nous les prenons au sérieux, c'est sûr. Et ce n'est pas juste parce que des députés conservateurs des dernières semaines se sont excités sur cette question-là. Nous sommes au travail depuis plusieurs années pour s'assurer que les élections sont libres d'ingérence étrangère et nous allons continuer ce travail-là. Mais Marco, peut-être tu veux ajouter quelque chose? Non, pas beaucoup. Juste s'il y a des questions sur les détails de l'enquête de la GRC, c'est bien à poser cette question à la commissaire de la GRC. Mais comme le ministre Leblanc a déjà dit, il y a un processus indépendant non partisan qui a confirmé le résultat de les élections 2019 et aussi 2021. C'est très important que tous les Canadiens soient assurés que le gouvernement a pris tous les efforts pour garder et protéger nos institutions démocratiques. Vous avez dit, Monsieur Leblanc, ce matin, le premier ministre a dit au sujet de la rencontre qui a eu lieu il y a quelques semaines avec le ministre de la Santé, il a dit le fédéral est arrivé avec un plan, les ministres de la Santé n'ont pas voulu en discuter. De quel plan on parle? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Les provinces savent très bien le plan parce que ça fait des mois que les provinces travaillent avec M. Duclos sur un plan pour aider avec l'inquiétude profonde en termes de ressources humaines dans les soins de santé. M. Duclos travaille avec ses homologues de toutes les provinces, y compris le Québec, depuis très longtemps, depuis plusieurs mois. Nous autres, on aurait espéré à la réunion à Vancouver qu'il y aurait eu une entente sur un plan conjoint pour attaquer à la pénurie de ressources humaines en soins de santé. Les premiers ministres ont décidé, même avant que la rencontre à Vancouver a eu lieu, de dénoncer un manque de financement sans condition qu'ils répètent depuis 2 ans. Leur communiqué de presse était préparé même la semaine avant que la réunion ait débuté. Alors, ils sont pas arrivés là vraiment avec un effort d'avancer la question, mais la bonne nouvelle, c'est que nous demeurons toujours au travail et toujours prêts à appuyer les provinces et les territoires afin d'attaquer exactement ce genre de difficultés dans le soin de santé. Vous avez dit récemment en entrevue qu'il y a plusieurs premiers ministres qui disent une chose en privé et qui disent autre chose en public, comme le communiqué que vous venez de citer. Combien de premiers ministres de province? Est-ce qu'on parle d'une majorité de province, 2 provinces? Ben, c'est probablement plus que 2, puis moins de 13, si j'avais à deviner. C'est entre 2 et 13, probablement. Ça dépend de la semaine. Des fois, ça peut aller à 5. Des fois, ça peut descendre à 1. J'ai vu 2 premiers ministres la semaine passée à Ottawa, Dennis King et Andrew Fury. Je vois le premier ministre
du Yukon la semaine prochaine. Alors, la liste continue. Vous avez dit au Telegraph Journal, et j'aimerais confirmer ça avec vous, que vous seriez heureux de conclure une entente individuellement avec le Nouveau-Brunswick si les négociations pan-canadiennes achoppent. Qu'avez-vous dit et que dites-vous aujourd'hui? Bien, je répète qu'est-ce que j'ai dit à votre collègue. Nous sommes toujours prêts. Nous sommes comme les scouts, finalement. Nous sommes toujours au service. Nous sommes toujours prêts à appuyer les provinces et les territoires. Ça, je référais à une discussion avec le premier ministre Higgs de ma province. Moi, je suis encouragé parce qu'on n'est pas peut-être d'accord avec M. Higgs sur toutes les questions, mais M. Higgs est très ouvert à travailler avec nous afin d'avoir des résultats pour les investissements du fédéral en santé, d'avoir une visibilité pour dire aux patients et aux personnes qui travaillent dans le système de santé qu'un investissement fédéral a amélioré de telle ou telle façon. Alors, si M. Higgs nous arrive avec une proposition qui fait beaucoup de bon sens, nous n'allons pas donner un veto à d'autres provinces sur la capacité de faire des choses importantes au Nouveau-Brunswick. J'ai utilisé ça comme un exemple avec un journal du Nouveau-Brunswick que j'aime beaucoup. À quel moment est-ce que vous allez commencer à négocier directement avec les provinces, une à la fois, à la carte, finalement, à la pièce? On n'est pas rendu là parce qu'on a des discussions souvent multilatérales avec plusieurs provinces. Alors, les discussions sont en cours. Moi, je demeure optimiste. Moi, je ne peux pas imaginer que les provinces vont refuser d'accepter des investissements fédéraux, des investissements accrus, simplement parce qu'on aimerait donner aux Canadiens une visibilité quant aux résultats pour ces investissements. Moi, je demeure très optimiste et je suis convaincu qu'on aura des bonnes nouvelles au bon moment. Je suis aussi excité que vous. M. Leblanc, c'est une menterie que des candidats ont été financés par le gouvernement chinois? Moi, je n'utiliserai pas des mots aussi si pessimiste que menterie, Louis. Mais voyons donc, il n'y a jamais des gens qui ont compté des menteries ici. OK, merci, au revoir. Bonjour tout le monde. Vous avez sûrement entendu ces médecins partout au Canada qui disent même que les enfants meurent tellement de la situation est chaotique dans les hôpitaux pédiatriques. Qu'est-ce que le fédéral peut faire devant ça? Oui, on les entend, ces préoccupations. Ce sont les médecins, ce sont les parents, ce sont les grands-parents, ce sont les enseignants. Donc, on est tous là, évidemment très conscients de ce qui se passe dans les hôpitaux. Nos enfants sont malades et parfois sérieusement malades, les plus jeunes en particulier. Et c'est pour ça là, qu'on voyait venir ça il y a déjà quelques mois, qu'on a envoyé il y a quelques semaines à peine là, un 2 milliards de dollars additionnels en transfert en santé pour aider mes collègues ministres de la Santé dans les provinces et les territoires à faire face à cette situation qui est très difficile pour, oui, les enfants, les familles, mais aussi pour les travailleurs de la santé qui sont épuisés de la COVID-19 et des autres pressions qu'ils subissent. De toute évidence, le 2 milliards ne suffit pas. Est-ce que vous devrez injecter des sommes supplémentaires? Bon, le 2 milliards, évidemment, ça aide quand même pas mal parce que c'est un montant additionnel à tout ce qui est envoyé aussi en parallèle pour lutter contre la COVID, contre les vaccins, les transferts canadiens en santé qui ont été augmentés en mars dernier. Mais ce n'est pas... c'est très clair, le premier ministre l'a à nouveau dit ce matin, je crois, là, qu'on va en faire davantage. Et c'est pour ça que moi, je continue à travailler avec mes collègues pour les appuyer, parce que je sais que leur travail est difficile, qu'ils font ce qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils reçoivent du gouvernement canadien, mais qu'on s'est entendu déjà pour qu'il y en ait davantage quand ce sera le moment là, de continuer nos discussions. Ce matin, le premier ministre disait aussi qu'à la rencontre il y a quelques semaines où vous étiez, les provinces ont refusé de discuter d'un plan. Que lui, vous êtes arrivé avec un plan, puis ils ont refusé d'en discuter. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Vous étiez là. Bien, si je vais être clair, parce que mes collègues ministres de la Santé et moi-même, on s'entend tous et toutes sur les priorités, les diagnostics et les solutions aux problèmes qu'on connaît maintenant. Ensemble, là, à Vancouver, il y a 3 semaines, on était tous d'accord. Le problème, c'est que les premiers ministres, donc les patrons de mes collègues ministres de la Santé, leur ont demandé de ne pas parler de résultats en public et de focaliser entièrement sur les dollars. On sait que les dollars, c'est important. Mais ce qui est important aussi, c'est, comme on le fait à Vancouver en privé, s'entendre sur les choses qu'on veut faire ensemble pour aider nos travailleurs et nos patients. Votre collègue, M. Leblanc, a parlé dans une entrevue récemment de premiers ministres qui ont des discours différents en privé de ce qu'ils ont en public. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Bien, je pense que la plupart des gens réussissent à éviter de faire trop de politique sur le dos des patients et des travailleurs. Je pense que certainement mes collègues ministres de la Santé, on ne fait pas de politique entre nous. On parle vraiment des choses qui sont importantes pour les gens, travailleurs et patients. Maintenant, il arrive que ça dérape ailleurs, mais moi, mon rôle, ce n'est pas de travailler avec les ministres des Finances, des provinces et des territoires. Mon rôle, c'est d'appuyer et d'être un allié des ministres de la Santé à travers le pays. Et au niveau des ministres de la Santé, donc, vous ne voyez pas des homologues qui vous disent une chose en privé et qui, dans un communiqué, vont dire autre chose. Vous ne voyez pas ça? Bien, ce qu'on se dit en privé, puis je pense que les ministres l'admettraient aussi en public, c'est qu'il y a des sérieux défis. En lien, entre autres, là, aux impacts terribles de la COVID-19, mais aux virus respiratoires qui circulent maintenant et qui vont continuer de circuler dans les prochaines semaines. Donc, des sérieux défis de court terme, mais aussi de plus long terme. Notre population vieillit rapidement au Canada, y compris au Québec. Nos travailleurs de la santé aussi vieillissent rapidement. Les travailleurs quittent en grand nombre. Et la population étant plus vieille, les gens ont davantage besoin de soins. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais avoir votre réaction à ce qui s'est passé hier à l'Université d'Ottawa. Vous avez l'université qui accepte de se plier aux demandes de l'ambassadeur chinois. Il n'y a pas de caméra dans la salle pour filmer les est-ce que ça vous inspire quoi? Ben, moi, je vais vous dire, les journalistes, souvent on est content de vous voir, d'autres fois un petit peu moins, mais vous avez toujours votre affaire d'être là. Puis au Canada, la liberté de la presse, ça ne se négocie pas. C'est un fait. Et est-ce que l'université, donc, aurait dû tenir son bout, quitte à ce que la conférence soit annulée? Peut-être pensez-vous qu'ils auraient dû aller jusqu'à... Pour moi, la liberté de la presse est un des fondements de la démocratie et ça doit avoir préséance surtout. Et l'université n'en est pas sa première controverse en termes de liberté d'expression. Est-ce qu'ils ont un examen de confiance? Je ne peux pas parler de façon générale sur l'université, mais moi, comme je vous dis, notre démocratie était bâtie là-dessus. Je veux dire, vous nous posez des questions tough. Hein? Des fois, ça ne tente pas de vous répondre, mais on vous répond. Pourquoi? Parce que votre rôle est absolument essentiel. Est-ce que ça vous inquiète? Le geste posé par l'université? Mais moi, je trouve ça extrêmement dommage. Mais je trouve ça dommage qu'ils aient agi de la sorte, encore une fois, parce que la liberté de presse est fondamentale. Au lieu de dommage, est-ce qu'il n'y a pas un précédent dans le cas quand on déroule le tapis rouge à un ambassadeur de l'autre? On ferme les bras, on se plie à ses demandes et on accepte. Mais je l'ai dit que je n'étais pas d'accord. Je l'ai dit que je n'étais pas d'accord parce que je le disais tantôt, mais je veux dire, on est bien content de vous voir. Des fois, d'autres fois, on est un petit peu moins content de vous voir, mais votre rôle, il est là, il est fondamental, puis vous avez le droit d'être là tout le temps. Parce que notre pays était bâti sur la liberté de la presse. Vous jouez un rôle fondamental. Et nous, notre job, les politiciens, d'autres, c'est de répondre à vos questions. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de cette intervention de l'Université d'Ottawa hier qui a fait sortir les caméras à la demande de l'ambassadeur chinois? Est-ce que c'est une erreur? Moi, ce qui me dérange plus, c'est la demande de l'ambassadeur chinois. C'est que ça démontre clairement ce qui se passe au Canada. Quand on parle d'ingérence, d'interférence, que l'ambassadeur de Chine demande à l'université de fermer les portes aux médias, c'est tellement inacceptable. Et ça démontre clairement c'est quoi une forme d'ingérence dans nos institutions. On sait qu'il y a déjà des opérations qui se font au Canada dans les campus universitaires auprès des jeunes. Mais là, clairement, une conférence publique, on demande à l'université de fermer la porte aux journalistes. C'est une preuve flagrante du problème qu'on a. Bien, moi, je pense que l'université s'est ramassée d'une situation qui était de l'ambassadeur qui est là, demande de fermer les portes aux journalistes. L'université a dû prendre une décision rapide. Ils l'ont fait, malheureusement, mais en même temps, on ne peut pas nécessairement les blâmer parce que c'est une situation qui est peut-être difficile à gérer pour eux. Mais c'est la demande de l'ambassadeur, pour moi, qui est plus problématique. Est-ce que vous craignez l'ascendant que parle le gouvernement chinois sur nos institutions? Bien, c'est ça. Exactement. Et il existe déjà, si vous regardez les rapports, il existe déjà des preuves qu'il y a de l'ingérence dans les campus universitaires au Canada. Il y a des étudiants qui sont manipulés par des agents de la Chine, carrément, du régime communiste chinois. Ça existe déjà. Et là, d'avoir l'ambassadeur chinois au Canada, sur le territoire canadien, à quelques kilomètres d'ici à côté, qui demande de fermer les portes aux médias pour ne pas que les médias rapportent ce qu'il dit, je trouve ça totalement inacceptable. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire auprès de l'ambassadeur? Je veux dire, c'est pas la première fois qu'en seul Canadien, il y a des incidents. Ben, c'est ça. L'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Dion, qui avait eu une altercation avec le ministre des Regardez, Affaires étrangères. On a vu cette semaine, le ministre des Affaires étrangères a déposé la plateforme là, Indo-Pacifique. On dit qu'on va s'investir davantage dans le secteur Indo-Pacifique. On a pris la peine de dire que la Chine, il y avait des problèmes avec eux. On mentionne qu'on va envoyer des forces canadiennes davantage dans le secteur, alors que chez nous, on est sur notre propre territoire et on
on n'est pas capable de réagir à ça. C'est une... quoi faire? Bien, c'est de soulever... Là, on a un problème majeur. Là, on vient d'avoir la preuve avec un ambassadeur qui demande de fermer les portes aux médias canadiens à Ottawa. On ne peut pas accepter ça. Donc, le gouvernement, lorsqu'ils prennent la peine dans leur plateforme Indo-Pacifique de dire qu'on doit avoir un langage plus fort, bien là, je m'attends qu'il y ait une réaction forte auprès du gouvernement chinois, auprès de l'ambassadeur, et de dire ici, ça ne se fait pas. Est-ce qu'il doit être convoqué? Bien, c'est au gouvernement de décider, mais moi, je crois que c'est la moindre des choses. Oui, il faudrait qu'il soit convoqué. Il faudrait interpeller et dire, écoutez, là, ça, on ne peut pas faire ça chez nous. On est au Canada, ça ne marche pas comme ça. C'est bon? Merci. Merci. RCMP investigating foreign interference and, you know, being vague on what widespread means. You're talking about the letter from the RCMP to the... Yes, the letter. Yeah, I think the government needs to do what CSIS recommended in its briefing note to the Prime Minister, that the government be grounded in transparency and sunlight, to talk about publicly what foreign interference is taking place in this country. And so, you know, the government needs to answer questions about what it knew about interference in the 2019 and 2021 elections. Do you have any concerns about the information sharing going on between your security agencies right now, given that it seems like CSIS knows or has better, more intelligence at this point than the RCMP does as they launch their investigation? Well, I think the government needs to start answering questions. As I said in the briefing note that we received yesterday from CSIS, it's clear that CSIS advice to the Prime Minister is that the government's response to foreign interference from Beijing be grounded in sunlight and transparency, and that the public be made aware of foreign interference taking place from foreign governments. And so the government needs to start answering questions about what it knew when with respect to the foreign interference in the 2019 and 2021 elections. I have to go to QP. Thank you. Steve Kanellakis has departed the Ottawa City Hall just a day or two before the LRT report. Any comment on that at this point? Well, I want to thank Steve Kanellakis for his public service. I know he's been part of the City of Ottawa for a long time and worked hard on behalf of our community, so I wish him all the best. In terms of the LRT report, look forward to receiving the Commission's report based on what they've found and the recommendations they present. Is there anything specific that your constituents or you want to see from the report? I mean, there are many facets. Well, I think what I hear from my constituents all the time is they want a reliable public transit system. The community wants an LRT system that works. We are obviously investing billions of dollars from all three levels of government to expand the system beyond downtown core of the city, and we need to make sure that the kind of mistakes and the ineffectiveness we saw in the system does not get repeated again. Monsieur Kanellakis a sorti le Hôtel de Ville. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pensez pour cette Je voudrais remercier de M. Kanellakis pour le service public pour la ville d'Ottawa. Et aussi pour le rapport de la commission de LRT. Est-ce qu'il y a une chose précise que vous cherchez dans ce rapport? Le rapport est important pour la prochaine étape sur le système LAG. Le LRT est un important projet pour la ville d'Ottawa et le rapport présente des recommandations pour les autres étapes du système à l'extérieur de centre-ville. Do you think Mr. Kanellakis was left of his own accord, or do you think the mayor gave him a push? I you know, you have to ask the parties involved in that thing. I would not have any insight into that. Thank you very much. Thank Merci. You, Thank you, sir. Pleasure. Take care. National Gallery, any comment on the latest, the Paul Wells piece interviewing Mark Mayer and what's going on in the gallery? And I didn't read the piece, but the National Art Gallery is extremely important for us. And there, as you know, everyone deserves a safe, you know, environment, working place. But you also know that it's independent, right? I cannot get involved in those things. So I hope you can ask the questions and they should answer. Je vais poser une memo en français pour Radio-Canada. Est-ce que vous pensez sur les affaires au... La musique joue un rôle très important au Canada. Et il doit toujours fournir un espace de travail qui soit sécuritaire,
plaisant pour tous. Mais il faut aussi comprendre que c'est une institution qui est indépendante du gouvernement. Ce n'est pas à moi de gérer le personnel. Donc, je suggère vous poser vos questions et il devrait vous répondre. That's a priority. Merci.